Bonsoir. Coronavirus, le Canada s'apprête à rapatrier ses ressortissants en Chine. Et devant la menace grandissante, Air Canada a décidé de suspendre temporairement tous ses vols directs à destination de Pékin et de Shanghai. Triste anniversaire aujourd'hui. C'était le 29 janvier 2017. Un tireur fou faisait irruption à la Grande Mosquée de Québec et abattait froidement 6 personnes qui assistaient à la prière du soir. 3 ans plus tard, comment les musulmans de la communauté sont-ils parvenus à guérir leurs blessures? Et 3 employeurs québécois dans le top 10 des meilleurs au Canada, selon le classement qui a été publié par le magazine Forbes. Parmi les meilleurs, il y a Hydro-Québec au Québec, Ubisoft et Air Transat. D'ailleurs, on va parler à l'un d'entre eux un petit peu plus tard.